Je disais, je vais faire un petit tour là avec la caméra qui est en salle. Voilà pour vous montrer un peu l'ambiance, les différents postes. Voilà, c'est un tout petit tour. Donc je vais remettre la caméra de la salle. Oups. Ici, et ma caméra à moi, là-haut. Et hop là, petit échange. Assez technique tout ça. Salut Nunu. Salut Nunu. Du coup, je disais, ouais, je vais faire un petit tour. Voilà, je vais vous montrer un peu les coulisses actuelles. Enfin, les coulisses, vous les voyez déjà un petit peu. Mais je fais un petit tour dans la salle. Et je reviens tout de suite parler des parties. Oups. Une seconde. Voilà, c'était le petit tour du propriétaire, on va dire, de la NMI. Alors, on va repartir sur l'animation. Ok. Ah mais on a perdu tout notre chat. On a perdu tout notre chat. Allez, on va parler un petit peu de jeu de Go. Aussi, donc Chantal Gageldos face à Milena Boclet. Est-ce que c'est bien la bonne partie qui est ouverte? Oui, tout à fait. Hop. Alors Chantal Gageldos, du coup, je ne l'ai pas présenté. Chantal Gageldos, CQ de Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Elle a été longtemps, donc 3-4 ans, présidente
présidente de la Fédération Française de Go, de la FFG. Elle est toujours administratrice hein, de cette fédération. Et je pense que c'est l'une des plus ferventes de ce championnat de France, qui l'a relancé aussi notamment en 2017. Elle a toujours joué de l'appui, et de toute manière, elle joue toujours. Que ce soit le championnat de France des femmes, ou que ce soit à d'autres moments. C'est une joueuse invétérée. La 6ème Q, face à Milena Bloclet, que j'ai présenté tout à l'heure, et du coup qui a beaucoup trop de casquettes. et donc qui est, pour résumer, 3 Dan d'Antony. Donc même Ville, Carianne, Ougier, qui vit maintenant à Grenoble, et qui est présidente de la Ligue Île-de-France, et qui est aussi dans l'équipe com du Congrès européen, notamment. Voilà pour les présentations. De nouveau. Ah, c'est pas très... Holy shit. Petit souci technique. Alors, attendez. Voir une seconde. Flûte. Alors désolé, j'ai eu un petit souci technique. Je rétablis ça tout de suite. Il y a tout le template qui s'est décalé. Hop. Ok. Pardon. J'appuie la touche. Et pourtant, je... Alors, est-ce qu'il y en a qui ont vu la partie là un petit peu? Est-ce qu'il y en a qui ont regardé la partie un petit peu? Ça a l'air freeze un peu. Mais je suis animateur de ce stream, je ne suis pas commentateur. Je vais quand même en profiter pour regarder les parties de Go, mais la vocation commentatrice notamment, ce sera plutôt demain avec Yoon Sun Yoon, qui est 8ème Dan professionnel, ce sera en anglais. Et du coup, voilà, vous pourrez profiter des commentaires pro demain. Voilà. Aujourd'hui, je comptais faire ce qui a été fait ce matin, donc faire une lecture du message là, de Marie. Pas ce matin, mais la ronde d'avant. Et faire quelques interviews, notamment des femmes présentes dans ce tournoi. En espérant que ça vous plaise, évidemment. Ok, pour l'instant... chose plutôt classique. Ok, noir. Noir vient très vite dans le coin. Je pense que c'est très agréable pour Noir de connecter ses pierres. Il n'y a pas une solution un peu plus vindicative? Ouais, si. Je suis à peu près sûr que dans cette situation, moi je choisis de couper ses deux pierres. Tac.
ça a l'air quand même un poil mieux. Parce que là, le fait que noir se connecte intégralement, c'est pas mal agréable, sachant que blanc, au final, il fait 8 points. 8 points, alors qu'au début, on a 3 pierres. C'est pas assez. Là, on a vraiment envie de faire cette séquence. Hop. Et par exemple ici. Hein. Ça sert pas mal. Ces deux pierres au centre, elles nous paraissent pas ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, pareil, ça solidifie. Alors, il y a l'adji hein, de toute manière, mais le coin cette fois-ci est pris avec 8 points, c'est pas énorme pour noir. Le blanc fait une belle influence. Et il y a ces deux pierres qui sautent vers je ne sais pas trop où, alors qu'ils sont légères et du coup on va pouvoir faire autre chose. Hein. Mais à mon avis, elle va pas jouer à partir de ces pierres. Quoi. Là, on va plutôt recommencer, je pense, à prendre un coin. À vous, hein, si vous voulez réagir, mais carrément. Vous n'êtes pas d'accord avec mes bêtises, mais allez-y et on va en parler, on va en discuter. Ok, on élargit par le haut. C'est vrai que on voit bien la fronte. Enfin, ce que veut développer blanc, c'est par là. Ce que veut développer noir, c'est par là. Il y a donc un point qui brille au milieu et qui est par ici. J'aime beaucoup les dessins, vous vous en rendrez compte très rapidement. Je pense qu'il y a déjà des personnes qui s'en sont déjà rendu compte. J'aime les dessins. Ok. Donc on joue à la frontière des moyens. Ok. Et passe à l'attaque. Ouais, si je suis blanc, je pense que je vais plus aller... faire ce genre de coup. Ça va vraiment imposer une réponse à noir pour pouvoir s'installer ensuite. Là, c'est plus light. C'est je me mets au milieu. Mais là, il y a peut-être un poil trop de force. Du côté G17, H15. Alors que là, si noir pince, c'est un peu trop proche. Il va peut-être le faire quand même. Mais ce serait désagréable de jouer le jeu de Kier classique en noir. Parce que là, on perd pas mal l'intérêt de cette pierre. Plus on débat. Merci, Enter the Event, pour le follow. Il y en a que j'ai pas remercié d'ailleurs. Merci, Nepka. Et merci, Arcade Muse. Muse ? Lévi24. Donc, vous êtes pas mal à avoir suivi, c'est très sympa. Ça fait chaud au cœur. Mais pas trop chaud, s'il vous plaît, parce que moi je crame dans cette salle. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais il fait vraiment chaud ici. Juste dans cette petite salle de régie. Ok. On passe. Là, on vient dans l'endroit de faiblesse. Et là, on doit rajouter évidemment un petit coup. Ouf. Ça, il faut couper. Quoi qu'il arrive, couper. Parce qu'on oblige noir à rajouter un coup et
let's go et exploiter les faiblesses, quoi. Donc, ça, c'est important. C'est important que Blanc ne laisse pas se résoudre ce problème d'un coup, quoi. Donc, ensuite, elle prend. Tac. Est-ce que... On peut couper là. On peut couper là. Et là, mais... C'est pas si terrible. Parce que Noir est pas en danger. Ah, par contre, se faire couper, non, c'est pas autorisé. Par la convention de Genève, ça. C'est pas possible. Et là... Noir dit j'ai assez de liberté. 6 contre 5, effectivement. Oh. On a eu un petit coup du sort de, de notre scribe qui est en train de revoir des coups. Attention le scribe, revois pas trop tes coups s'il te plaît. Parce que donc pour les personnes qui ont un peu plus de mal à lire, Noir joue ailleurs. Parce que si on regarde, Tup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 libertés de ce côté-là. Et on, mettons que Blanc connecte, après le coup, tac, Blanc a... Pas des 1, 2, 3, 4, 5 libertés. C'est donc plutôt bien engagé pour lui. Blanc est content. Alors oui, quand je parle noir et blanc, il est vrai que je parle au masculin. Quand je parle des joueuses, je parle au féminin. Et ben, ça va être mon exercice de dire quand pour blanc, pour le mettre au féminin. Allez. Donc là, on n'a pas plus de liberté hein. Quand on fait G19 par rapport à H18. Tac. Ok, ok. Donc bon, partie plutôt bien engagée. Est-ce qu'on pouvait éviter cette coupe? Parce que bon, ce qui nous a vraiment embêté là, c'est J15, 16, on va regarder. Ah oui. Oui, on peut l'éviter en prenant la piafre. Je pense que Chantal avait pensé vivre d'un coup. Peut-être avec ce genre de choses. Mais même ça, c'est pas vivant. Donc là, en revenant, ça manque cruellement de liberté. Et ça donne la possibilité à Noir de faire 3 coups ailleurs. Ça c'est dur. Parce que Noir peut faire 1, 2 et 3 coups ailleurs. Là, l'avantage se prend pas mal. Et en échange, Blanc a eu 1, 2, donc 1. Face à A, B, C, un peu tout slack, donc là je pense qu'il y a un gros retard qui se prend. Go Chantal, allez, on glissait les piliers. On va regarder un peu la partie Nyoshi contre Sophie, si ça vous va. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes à fond?
Est-ce que ma voix vous endort? Est-ce que vous entendez ma voix? Yes. Yes, Robin. Ouh. Ah bah si, en fait. Mais en fait, si. Les gens étaient là. Bonjour, les gens. C'est aussi des... n'est pas du stream, comment ça s'appelle déjà, quand on fait des petits bruits comme ça sur le micro. Eh ben j'allais en parler, Robin. Oui, parce que je présente nos joueuses. Miyoshi face à Sophie. Sophie Sofonx. ASMR, ouais, je suis tellement à l'ouest. L'ASMR. Une chaîne de go ASMR. Bonsoir, bonsoir. Plus tard. Donc Sophie, que j'ai déjà présenté, hein, donc hop, petit truc rapide avec des petits bruits de couilles. C'est derrière moi, je les entends, les bruits de cailloux. Sophie, donc près de Paris, Levallois, club qui est BQ, donc qui joue beaucoup. Et qui accumule pas mal d'expérience. Voilà, j'attends le moment où elle va vraiment exploser. Mais genre exploser en pierre, quoi. Sophie, le bas de son marteau. Face à elle, Miyoshi. Ngokkao. Si t'as suivi Robin, si t'as suivi le Pergo, eh ben en fait, elle est souvent gagnante, en fait, avec Antoine. Elle est de Strasbourg, de Dan, deuxième Dan. Elle a pas mal bourlingué entre les pays. Oui, c'est, je compte sur vous de façon pour la scène. Hop, à modifier pendant. Ping, punk, ping, pang. Et c'est parti. Ah, il y en a un qui est mal passé. Voilà. Sophie, elle est un petit peu trop grande. Je suis désolé. On va te réduire un petit peu. La grande Sophie. Tac. Alors on va quand même te mettre. Parce qu'on n'est pas des monstres. Alors. Donc oui, Miyoshi, je disais, elle a pas mal bourlingué entre l'Angleterre, la Tchéquie. Et bah du coup, de retour en France, à Strasbourg, elle a pas mal contribué à la pédagogie du côté de Strasbourg, avec Albert Fenech et Antoine, hein, notamment, dans les écoles, à faire de la pédagogie, tout ça. Elle est aussi développeur dans les jeux vidéo, si je m'abuse. Je suis à peu près sûr de ça, en fait, mais vous pouvez me corriger si je me trompe. Et elle avait, d'ailleurs, il y a quelques années... sorti une version Android de Go Phantom qui était trop bien, qui avait des petits bugs, mais en vrai qui était trop stylé. Et je crois qu'elle se retrouve plus, s'appelait Phantom Go comme ça dans le chat. Et c'était très cool. J'ai hâte que ça puisse ressortir un jour. Mais bon, enfin, le principe était simple, hein, c'était tu prends ton portable, tu joues dessus, puis tu le donnes à l'autre. Et puis, l'autre personne prend le portable, ne voit pas ton coup, et puis joue son coup. Si jamais il y a un coup qui était déjà posé, il y a coup impossible, ou si c'est auto-atari, c'est coup impossible. Et ensuite, comme ça, on peut essayer de retrouver les pierres de l'autre personne, et ensuite, voilà, c'est chacun son tour, chacune son tour. Voilà pour Miyoshi. Je vais juste présenter quelqu'un qui du coup n'est pas venu et je suis super déçu parce qu'il y avait Louise Roulier qui devait venir. Et oui, c'est une bataille navale, c'est trop drôle. Et Louise Roulier, en fait, j'aurais trop aimé qu'elle vienne parce qu'elle vient de sortir un livre de science-fiction qui a l'air très très chouette qui s'appelle Grain de sable. Bon bah du coup j'en parlerai pas beaucoup et j'en parlerai pas. Enfin, elle n'en parlera pas. Donc, une prochaine fois, j'espère. Chloé aussi, effectivement, qui n'a pas pu venir. Mais tout le monde est malade. Annabelle de Monopoly qui n'a pas pu venir. Bref, la partie. Miyoshi, Sophie.
Sophie est blanc, Mouchi est noir. C'est confirmé. Ouais, c'est confirmé. Parce que je suis en train de regarder. On a FFG Script 2 qui est en train de mettre quelques petits messages dans son chat. Qui parle tout seul. Qui est FFG Script 2? C'est de Nicup. Non. Non, c'est... Pardon. Je l'ai montré tout à l'heure en plus, qu'on a fait le petit tour dans la salle. C'est Vincent Olivier. Hop. Il est en train de dire pour le coup 90, Noir est en train de regarder pour un chemin pour rendre les choses simples. Et Blanc ne le veut pas. Ah, pardon. Ça, c'est toujours le petit souci avec les grands noms et les petits noms. Je vais juste ajuster Juk. Juk. Milena. Hop. On va recentrer un petit peu. Ouf. Et Sophie. Et ben, désolé, tu vas encore être en tout petit. C'est pas mal. Je fais ce que je peux. Pouf. Alors. Oh, merci du follow, Estudiando Contigo. Et bienvenue sur le stream. Alors. Petite. Ok, pour commencer. Ok. Alors, ça, c'est vrai que c'est un truc que je connais pas trop. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de pas jouer parce que je l'aime pas ce début de partie. Bon, quand on fait ça, ça m'embête toujours, je suis pas à l'aise. Du coup j'essaie d'éviter de faire ce genre de choses. Mais bon, c'est un truc où on fait tout de suite les échanges. Si t'as pas ce préféré, bah je te la jouerai pas, je te le permettrai pas, je le saurai. Ok, donc est-ce que c'est jouable? J'aurais tendance à pas jouer M4. Ça complexifie encore plus le problème, quoi. Parce que j'ai peur que Blanc se retrouve. C'est à l'ancienne. Ouais, bah c'est possible. Hein. J'aime. Pas trop, ouais, c'est dur à gérer, je vais pas pouvoir le commenter bien, donc je préfère pas dire des bêtises. J'ai l'impression qu'on peut... Enfin, c'est le genre de truc où il peut y avoir une double attaque un peu embêtante. Mais pas direct. Effectivement, elle se développe sur le coin et elle sort dans une jolie forme. C'est très rare d'avoir... Enfin, je vois pas très souvent cette forme, on dirait un dé. On joue au Perudo aujourd'hui sur le domaine. Qu'est-ce que Noir a gagné là-dessus? Forme du Kosumi écartelé. Qu'est-ce que. Il n'y a pas beaucoup de points ni chez Noir ni chez Blanc. J'ai l'impression que c'est un statu quo. Est-ce que c'est équilibré? Ça a l'air. Un groupe blanc qui sort, qui est pas très vivant, un groupe noir qui sort, qui est pas très vivant. Dur à gérer, quoi. Mais c'est dur d'attaquer. C'est dur d'attaquer, les points de faiblesse, ils sont vite reculés. Ils sont pas tant faibles, en fait. Y a pas vraiment de coupe qui existe ici. Y a pas vraiment d'attaque non plus directe sur ces pierres. On aurait envie quand même de. Moi j'ai l'impression qu'on aurait envie de juste rajouter un petit truc comme ça. Pour enfermer. Est-ce que je me plante? Blanc ici soit vraiment enfermé dans un coin, quoi.
qu'on en fait, après on gagne des choses. Enfin, c'est comme ça que je me dirais, que je le jouerai. Après, c'est plus de 30 mois. Et du coup, sûrement raisonner beaucoup mieux. Mieux je suis sort, simplement. Donc ça c'est ma proposition, mieux je suis B. Ok, on va ailleurs, c'est José qui finit. Soit. Ok. Là il y a deux petits problèmes pour Noir quand même. Ok, ce coup, il y a un petit diagramme qu'on a filé à nos élèves là à Grenoble, qui est genre méga simple. C'est un petit diagramme de choix. Et on va essayer d'appliquer ensemble. Le diagramme de choix, c'est est-ce que j'ai un groupe faible ? Alors oui, vous pourrez regarder un peu ça, mais là on va regarder uniquement cette partie du plateau. Est-ce que j'ai un groupe faible ? Blanc. Blanc a un groupe qui sort et qui a quand même un espace. Alors il faut faire attention à pas jouer à lire trop de fois. Mais pas se faire. Encadré en un coup, quoi. Mettons que blanc joue ailleurs, si noir essaie d'encadrer, ça va être ça. Et là, c'est la cata des faiblesses, quoi. Donc, blanc est pas si faible. Est-ce que l'adversaire a un groupe faible ? Ouais. Moi, je dirais qu'un adversaire a au moins un groupe pas très fort. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette sentence, cette affirmation, peut-être délibérée ? Et auquel je pense à votre avis ? Double approche donne souvent un groupe fort, mais deux groupes un peu plus faibles. Ouais. Moi j'ai quand même envie de faire attention quand je suis blanc. Un peu à ces trois pierres. Je vois que il y a quand même des petites faiblesses sur le groupe qui est à droite. Des petites faiblesses sur le groupe qui est à gauche. Et bah, ce que j'ai envie d'exploiter, c'est ces deux choses afin de rendre mon groupe de droite fort, potentiellement en le connectant, et aussi réduire le nombre de points, prendre de l'influence extérieure, mettons. Du coup, ça pourrait être certaines idées, ça pourrait être. Comme ça qui permettra ensuite de faire une belle suite par ici pour englober le groupe et puis même si on le tue pas on va pouvoir gagner de la force à l'extérieur et rayonner. On rayonne bleu aujourd'hui. Donc ouais là je pense que celui-là est un peu trop solide. Il est un peu trop. J'ai peur pour mon groupe, donc je préfère rajouter une pierre. Et en plus, on. C'est. Notre forme est pas. Enfin, j'ai l'impression que noir pourrait limite jouer ici. C'est embêtant là. Si on vient là.
pourra faire ça. Alors, pas tout de suite, évidemment, parce qu'on affaiblit trop le groupe de l'autre côté. Mais si on veut vraiment sauver ça, bah, du coup, on est coupé. Et ça peut être embêtant, pareil, dans la suite, parce qu'on aura aussi ses faiblesses. Donc, je suis vraiment, je pense, pour l'instant, pas très fan de ce genre de coup. Où on peut se dire, ok, je vais plutôt jouer plus loin, il y a des trucs faibles chez l'adversaire. Et donc là, en attaquant, en revanche, on renforce un peu trop l'adversaire. Ok, donc cette fois-ci, question est légitime, qu'est-ce que j'ai comme groupe faible? Effectivement, celui-ci, vu que noir s'est renforcé, en plus. Et on passe à l'attaque. Ça permet de réduire, c'est pas si mal. Oui. Oui, ça va très vite. D'accord. Donc en plus, ouais, F5 ne permet même pas de renforcer réellement le groupe. Oh là là, c'est une killeuse Gnocchi, bazar. C'est déjà râpé. Mettons que. Est-ce qu'il y a des solutions? Ah, ce qui est dommage, c'est que je pense que blanc peut vraiment pousser une fois de plus et noir va suivre quoi. Peut-être ça donne une sorte d'espoir. Après, tac, on a un problème là, effectivement. Insupportable. Et puis si on essaie, on peut toujours faire un coup. Le peut-on? Dans tous les cas, hein. Par contre, ça c'est pas se leurrer. On résout pas tout, mais c'est quand même pas mal. Tac. Ça c'est déjà vivant. Ouais. Donc faut que noir. Enfin, trouve des problèmes, et vu qu'on a déjà choisi
bah, des variations où il y a plein de trucs faibles. C'est en ça que ça va pas nous aider pour le coup, ça. Ça va pas nous aider pour le coup. Voilà. Et du coup, ouais, d'office, blanc est capturé. C'est un gros nuki. Aïe, 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 aïe. Complicado, complicado. Qui se profile. On peut pas jouer une forme simple ici. On a peur de ça. Elle a peur de ça. Parce que du coup après la capture c'est compliqué pour blanc, mais heavy, ok, noir joue ailleurs, gros blanc faible, gros noir faible, le pousser pour aider un peu son groupe, ok, et là on essaie de couper, donc ça c'est ma variation, ça c'est la variation dans la partie. Ah, et puis finalement elle revient ici, ok. Ouais. Effectivement le souci, si on cherche trop à attraper ce groupe, c'est qu'on a nos problèmes aussi de l'autre côté, quoi. Et le pouce assez embêtant. Hop, la casquette du stream. Partie pas. Oh, c'est trop dur d'avoir un gros qui comme ça en partie. Le plan doit être sauvé donc. Par contre, il n'y a pas besoin a priori de rajouter ce coup-là. Hein. Si blanc joue ailleurs, il n'y a pas de coupe directe. Puisque blanc peut connecter de cette manière. Donc, j'ai pas de grand besoin de faire cette forme, sachant que ça ne fait pas d'œil. Si je m'abuse. Pardon, ça ne fait pas. Pas d'œil tout de suite, mais on pourra voir ça. Ok. Ouais, c'est trop. Enfin. Alors oui, on rajoute quelque chose. Plus tard, il y aura toujours. Enfin, il n'y aura pas d'œil. Ouais. Donc, blanc passe à l'offensive. Et noir, ok. Protège. Ancienneté ? C'est ancienneté ça. C'est plus très important ces deux pierres sur la première ligne. On a plus envie de. Ah, on doit connecter là. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant parce que là, s'il prend. On va devoir rajouter un coup. Ah, c'est embêtant. Ou rajouter un coup. Peu importe. Blanc prend une pierre, c'est trop lent. C'est un peu trop lent. Ouais, pour le coin en bas, ouais. Ouais, ouais, ça c'est compliqué avec un gros nuki comme ça. Pour commencer la partie, ça va être difficile. Là, ça. Juste histoire qu'on ait
meilleure vue sur ce qui se passe. Mal engagé. Mais là, faut pas se concentrer sur des pierres comme ça. Sophie, du coup, peut-être tu regarderas. Mais c'est trop petit. C'est trop petit. Ce serait peut-être justifié s'il y avait une attaque derrière, mais il y a a priori plus trop d'attaques sur le groupe. Quand on vient là, Noir vient d'un coup. Quand on vient là, Noir. Oh, toujours connecté. Il n'a pas de yeux. Ok. Mais comment on lui enlève? Vaut mieux jouer les gros coups avant. Voir prendre des points un peu à l'extérieur avant. Mais là, c'est un peu trop frontal, le fait de prendre cette pierre. Ok, forme étrange. Forme étrange s'il en est, je pense que. On peut jouer quelque chose d'un peu plus actif. C'est pas nécessaire hein, quand on a une avance, mais ça paraît ok. Et là, pareil, ce coup-là, moins qu'elle ne vise la capture de tout ça, pour moi, ce coup-ci mériterait d'être un gros point. Que ça, pour moi, c'est pas un gros point. On voit que quand blanc le met, on voit que si blanc le met, il fait pas grand-chose, donc on peut raisonner comme ça, un peu pour savoir si c'est gros ou pas. Il a un gros coup. Donc... Ok, ok. Donc c'est quand même noir qui a ce coup. On va enlever d'ailleurs le petit trait. Désolé pour le petit trait qui reste. Voilà. Okay. Et Sophie, du coup, abandonne un petit peu plus tard la partie. Non, 39. C'est ça, Sophie abandonne ici.